Tu vois ce que je veux dire? Je veux que l'intro soit magnifique, tu vois. Je veux qu'on voit moi d'abord, moi avant tout, hein, sur un magnifique champ vert, tu vois, vert comme le schtroumpf, la même couleur, tu vois, un truc bien pétant, tu vois ce que je veux dire. Et tu prends tout en note, hein. Tu loupes rien, hein. Tu loupes rien. Mais que ce soit la plus belle des vidéos, la meilleure, les number one de YouTube, ce sera toi et moi, enfin surtout moi, toi en deuxième, comme d'habitude. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Là justement, l'apothéose, le meilleur moment, celui où tu fais ton apparition. Tiens, tu me sodomises. Babère, mais t'es un génie, putain. Une mousse au chocolat, zinc. Ouais, viens là que je t'embrasse. Action. Tu viens d'avoir une idée de folie. Mais comment tu fais pour avoir des idées de génie, mon gars? Tu es rare et unique. Rare et unique, je fais la mission. Tu mérites une surprise. Oh. Un cadeau rien que pour toi. Moi? C'est pour moi. Oh. Je suis de merde. Et regarde. Un gâteau. Oh. Un beau haut. Oh. Un haut. Oh. Tu peux faire l'oiseau. Oh oui. Viens, j'ai acheté des glaces. La mousse au chocolat, disponible sur Wikipédia. On passe à la recette. Pour réaliser ma mousse au chocolat, j'ai utilisé du chocolat noir chef de Bruges, 3 œufs, de la pâte à dents Colgate, et moi. Bon, allez les amis, c'est parti pour une bonne mousse au chocolat bien mousseuse, c'est le principe. Donc nous avons pris tout ceci, voilà. On a pris tous ces chocolats là. Il va falloir beaucoup, hein, parce qu'on va faire une bonne grosse mousse. Vous prenez une casserole et on va répartir les petits bouts de copeaux à l'intérieur. Oh. Oh. Alors le chocolat, vous le coupez comme ceci à l'intérieur de la casserole. Voilà, regardez bien, regardez ma main, regardez où elle va. Voilà, j'ai nettoyé la table. Allez, maintenant on va faire chauffer le chocolat. Chocolate. Vous le mettez directement sur le feu et vous le mettez à feu doux. Voilà. Wow. Oh. Alors vous prenez une très très grosse casserole, très quintalesque. Vous mettez de l'eau dedans, tout simplement, et on va la faire bouillir. Faut que ça boue, faut que ce soit en ébullition, faut que c'est des bulles. Ah. Et là, vous foutez le feu. Jésus-Christ. Vous pouvez toucher des fois pendant que c'est bien chaud. Et maintenant on attend que ça soit en ébullition. Ensuite, pendant que l'eau chaude chauffe, nous allons péter les œufs. Hop, on va séparer le blanc des jaunes. Ou la coquille des... Allez. Putain, j'aime pas cette partie de merde. Partie de merde, ça. Ça, c'est la cuisine de merde. Voilà, tranquillement. On isole les jaunes ici. Hop. Le deuxième. Merde, quand? Au con de moi. Oh, ça n'a rien à voir, ça. Vous posez votre chocolat dans l'eau bouillante et vous allez surveiller que le chocolat fonde correctement, hein, pas qu'il crame sur les côtés, ce serait con. Pas gâcher votre chocolat, c'est que gâcher votre poêle. C'est tout. Donc vous mettez une pincée de sel, une petite pincée, pas plus. Tu peux confirmer, Babar? C'est une petite pincée. C'est une pincée. Plus. Et on va les monter en neige. Vitesse 2. Et là on monte. Bon, une fois que votre chocolat est bien monté, hein, enfin bien fondu plutôt, on va les disposer avec les œufs jaunes, avec les jaunes, ici même, situés sur ma gauche. Voilà. Non, sur la droite. Non, c'est sur la gauche, ici. C'est la main dont j'écris pas, je sais bien que c'est pas sur la gauche. Là, c'est ma droite, là. Ma main, ouais. Là, celle ouais. Où j'écris pas, c'est ma gauche, oui. Là. Ici, c'est à gauche. Ça, c'est à droite, ça. Je dis que c'est à gauche, ta gauche, je te dis.
Donc, revenons à nos moutons. On va disposer le chocolat dans les jaunes situés sur ma droite-gauche. Et on va le faire petit à petit. Regardez bien comment je vais faire. Donc on met déjà un petit peu de chocolat, comme ceci, un tout petit peu. Et on touille, comme ceci. De haut en bas, de bas en haut, de rond en carré, tout ce que vous voulez. Et là on met tout tout de suite, regardez, on met tout. Voilà, comme de la grosse chiasse. Hop, voilà, une bonne diarrhée. Voilà, il faut que le chocolat soit bien liquide, il n'y ait aucune partie granuleuse. Qu'un granule dans votre caca quand vous goûtez. Et bah là c'est pareil, il faut qu'il y ait zéro granule dans votre chocolat. Bon, une fois que vous avez enlevé toutes les granules du chocolat, nous allons pouvoir l'incorporer dans la mousse située à ma droite. Tranquillement. Alors regardez bien comment on fait, c'est très important, c'est une partie tellement difficile. Bonne cuillère. Et on touille. Vous voyez comment je touille à l'intérieur? C'est simple, c'est très facile. Ah, du chocolat, on en rajoute, tac, une bonne dose de chocolat. Et on y retourne, et ainsi de suite, jusqu'à que je m'endorme. Et là on peut tout mettre. Regardez comme ça va couler. Ah. Voilà. Ok, une fois que c'est bien nettoyé, qu'on va la mettre donc 3 heures au frigo, comme j'ai expliqué. Tac. Voilà, c'est bon. Et elle est prête. Quand vous voyez qu'elle est prête, vous avez juste à faire un peu le con avec le récipient. Une fois que la mousse est prête à être dégustée, nous allons l'agrémenter de petits bonbons colorés de la marque de Smarties. Voilà. Oh, il colle. C'est trop mignon. Il se plante dedans. Mais c'est génial. Bah ouais. Regarde. Et voilà. Donc, je sais que vous en avez marre de jamais me voir terminer mes plats à la fin de chaque vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais terminer cette mousse au chocolat en direct live devant vos petits yeux. Bah ça, si c'est pas mignon tout ça. Excuse-moi, tu sais. Bon ben, allons-y, terminons cette belle mousse au chocolat. Le Quintal arrivera-t-il vraiment à finir sa mousse au chocolat comme promis? Babar avouera-t-il enfin son amour éternel pour le Quintal qui le ronge depuis tant d'années? Y a-t-il vraiment des haricots Heinz dans la boîte de haricots Heinz située sur le meuble de la cuisine? Eh bien, vous saurez toutes ces réponses dans maintenant. Non, non et non.